Ce qu'il faut dire, c'est que l'initiative est très louable parce que ça permet aux populations de pouvoir apprécier ce que nos artistes peuvent produire dans tous les différents domaines. Et sur un seul site, le produit donc de tout ce qui vient de nos provinces, il faut vraiment encourager cela. Vous savez, l'identité d'un pays passe par la culture. C'est au travers ce genre d'exposition que nous savons, nous voyons d'où nous venons, ce que nous sommes et ce que nous serons, mais toujours avec un sentiment important d'appartenance. Et donc le fait sur un même site d'avoir ces 9 provinces-là, tout ça réunit le Gabon en quelques minutes. Vous faites le tour de ces stands-là, vous avez fait le tour du Gabon. Cette première exposition est donc encourageante. Je suis sûr que il faudra poursuivre pour que de plus en plus d'artistes puissent s'exprimer. Ah, mais beaucoup de, surtout du patriotisme. Je vois ce qui est fait dans notre pays, des belles choses. Et j'encourage tous ceux qui le font. C'est formidable. Et vraiment, il faut encourager tout le public gabonais à venir nombreux pour pouvoir visiter et faire le tour de ces stands-là. C'est quelque chose, je crois, qui était nécessaire pour nous et qui est toujours valeur aussi d'enseignement sur ce que. Certaines personnes peuvent très bien connaître ce qui se fait dans leur propre province, mais il faut qu'aussi ils apprécient ce qui se fait chez les autres. Et puis on voit aussi les influences déjà entre nous, entre les provinces, les influences extérieures, comment nos artistes ressentent certaines choses et comment ils les traduisent. Donc tout ça est très intéressant.